Elle est vraiment verte, dit le peintre en regardant l'animal. Et comme il avait une sensibilité très vive, il pensa d'abord la peindre en rouge. Audouin arriva sur ses entrefaites. « Si vous voulez peindre ma jument, dit-il avec bon sens, peignez-la en vert. Autrement, on ne la reconnaîtra pas. » Marcel Aimé, 1902-1967. Alphonse Boudard, comment faisait-on parler Marcel Aimé ? Mais on ne le faisait pas parler, il parlait s'il avait envie de parler. Je me suis trouvé à le voir chez le peintre Jean Paul, puis à déjeuner chez lui. Ça devait être en 1965-64. Chez Jean Paul, il n'avait pas parlé du tout, il m'avait juste salué. Puis on est monté chez lui, on a déjeuné et... il n'a rien dit pendant le déjeuner parce que c'était Jean Paul qui occupait la surface, quoi. Et puis après, on a été sur le balcon, là, puis tout d'un coup, il s'est mis à parler. Quelle langue! Quel type a eu la gueule, une espèce de Buster Keaton! Ne riant jamais, je vous ai dit, on s'est trouvé dans le métro, ce qui m'est arrivé avec lui. Je devais jouer quelque chose de lui, cependant c'était le neveu. C'était Ploquin qui nous avait réunis pour qu'on parle de ça. Et Marcel Aimé était là, d'abord pas un mot pendant le dîner, pas un mot. Que des machins, presque pas parlé, j'étais cependant à côté de lui, pas du tout parlé. Puis alors, on prenait encore le métro, tout le monde prenait le métro, prenait la même ligne que moi, étoile. On est debout, c'était plein, on était debout. Il pas un mot aussi, là, pas un mot. Et puis alors là, je suis malgré tout au revoir, j'arrive à Georges V, je dis je vais descendre, je descends. Alors, je n'étais pas vers la porte même, qui fait, là il se lance, et il fait, vous avez été épuré ? Oui, moi aussi ! Alors on fermait, les gens étaient, je voyais les types étendus dans le... Ce type avait tout le dîner, il n'avait rien dit du tout, et hop, ça allait se fermer la porte, il dit ça. Oui, il était Buster qui est tonesque, tout à fait. Il y avait à Montmartre, au troisième étage des 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et à la belle saison, il faisait le trajet à pied sous son chapeau melon. Dutilleul venait d'entrer dans sa 43e année lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Il s'agit d'une famille qui, au départ, était destinée à travailler la terre. Le père de Marcel Aimé était dans une famille très nombreuse, dans la région de Dole, Villers-Robert. Michel Le Cureur. Et c'est quelqu'un qui n'a pas pu rester à la terre et qui a donc dû la quitter. Et il l'a quittée en s'engageant dans l'armée. Donc il a été maréchal ferrant dans la cavalerie, bien sûr. Et la mère de Marcel Aimé était femme au foyer, puisqu'elle a dû élever une nombreuse famille. Et c'est une famille qui n'était pas riche du tout. J'ai lu des lettres du père Faustin Aimé qui dit que il voudrait bien telle promotion dans l'armée parce que ça lui permettrait d'avoir un peu plus d'argent à la fin du mois pour élever sa nombreuse famille, etc., etc. Donc c'est une famille extrêmement humble. C'est une famille qui s'inscrit dans beaucoup de familles françaises du début de ce siècle. Une famille qui est rurale d'origine, donc, et qui passe à la ville, elle, par le biais de l'armée. Puis alors après,
les frères et sœurs de Marcel Aimé vont gravir les échelons de la société, soit par l'armée, c'est le cas de Georges Aimé, qui a fini général, ce qui est quand même une belle promotion, soit ses deux sœurs, Suzanne et Camille, qui ont fait carrière comme un certain nombre de Français dans l'enseignement pour connaître une ascension sociale. La famille Aimé est très typique de la famille française de la première moitié du XXe siècle. Dans le cimetière, les Durs, les Berthiers, les Corampeaux, les Messelons, les Rousseliers et tous les chrétiens de la paroisse venaient réciter leurs compliments aux parents d'en dessous. Penchés sur les tombes, ils ôtaient un brin d'herbe, un pied de chicorée, avec les doigts ratissaient la terre, comme pour apaiser les défunts, leur passaient la main dans les cheveux. C'étaient de petites attentions qui ne coûtaient rien et qui donnaient patience aux morts. Mais ce dimanche-là, on n'en pouvait pas venir à bout. Les morts n'avaient jamais été aussi grincheux. D'abord, on avait cru que c'était à cause de la chaleur. On leur avait dit que c'était un moment à passer, qu'il allait pleuvoir bientôt. Eux, du dessous, ils avaient ronchonné un peu plus fort. Et puis, de s'exciter, ils avaient fini par mener le grand vacarme, en gueulant les vifs, se bourriaudant de mort à mort, jurant par le malu et par la croix, impatients, dangereux, mauvais, comme des bêtes à la fosse. L'homme à la Léonie Bardon, enterré du printemps, criait qu'il en avait assez d'être à côté de son frère Maxime. Il voulait que la Léonie vînt se mettre entre eux deux, et il essayait de lui envoyer la fièvre. Il y avait un vieux qui réclamait ses bœufs. « Qu'il me souffle le chaud dans mes mains, rien qu'un coup !»« Tu vas permettre tous les dimanches de prendre ta place !» C'est lui qui m'a volé mes 40 sous en 77. En 77. Mes bœufs! Ça te gênerait de venir plutôt des morts frais qu'il nous faut. Valeur! On était trois filles vers les bois, six pieds comme nous autres. Saleté! C'est Alfred qui m'a tué! La sacrée garce! À coup de charclereau! Mettez-moi ailleurs! Tu te laissais pourtant trousser. J'en veux un de chaque côté. Comme il faisait bon d'avoir mal. On était trois filles vers les bois. Menteur, mes bœufs! On avait si chaud d'avoir mal. Une femme qui n'avait pas un sou. Tu m'as pris ma serpe. La bourrique! Va prendre ta place. Le Guste Berthier d'abord. Non, Philibert Messelon. Quelle était chaude la glace sur les temps du chat bleu. Il a été, sans vouloir donner dans une analyse marxiste un peu dépassée de nos jours, il a été très marqué par la notion de classe sociale, parce qu'il a eu à en souffrir au début de son existence. Dans le Jura, Adol, je crois que son premier roman, Brûle-Bois, en témoigne tout à fait. Il a été marqué par la toute-puissance de la bourgeoisie dauloise et par la suffisance de certains bourgeois. C'est pourquoi il les fustige et tout au long de son œuvre, il les dénonce avec parfois beaucoup de férocité. Pensez à la tête des autres quand il montre le procureur qui rentre chez lui, qui se fait féliciter parce qu'il vient d'avoir sa xième tête de condamné. Je trouve, bien sûr, c'est une satire de la justice, mais c'est une satire d'une certaine bourgeoisie aussi qui est coupée des réalités. Alors, je crois que Marcel Aimé a souffert profondément de la notion de classe sociale, et d'autant plus qu'il était rejeté. Et en tant qu'écrivain, bah, qu'est-ce qu'il a été quand il a eu le succès? Eh bien, il a été quand même, comme tout écrivain, une pièce rapportée. C'est quelqu'un que l'on fait entrer dans certains salons. N'oubliez pas que Marcel Aimé n'aimait pas les mondanités, mais enfin, quand même, il allait au certain dîner de Florence Gould, orchestré par Jean de Noël, et Marcel Aimé y allait, mais il sentait bien qu'il était toléré, admis, je dirais pas en bout de table, parce qu'on l'aimait bien. Enfin, il n'était pas de ce monde-là. Par contre, il était très sensible aux gens simples, aux humbles. Il avait beaucoup de tendresse pour les ouvriers, pour les petites gens, ceux qui font des petits boulots. Et à Montmartre, il en connaissait beaucoup. Il allait boire le coup avec eux, si vous voulez. Ah oui, il y a un instinct social très fort chez Marcel Aimé. Et par contre, en ce qui concerne l'aristocratie, je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de relations. Il n'a pas de vision très, très importante au sujet de l'aristocratie. Il y a quelques aristocrates qui apparaissent dans son œuvre, mais c'est plutôt des caricatures. Il dit que chacun doit rester à la place que lui assigne son origine.
Donc, lui, il n'est pas resté à sa place. Hein. Non, mais au fil des années, c'est vrai qu'il a fini par avoir une certaine conception de l'ordre. C'est vrai qu'il aime bien les choses au fil des années qui ne bougent pas. C'est vrai que Marcel Aimé n'est pas un révolutionnaire. Est-ce pour autant un grand conservateur, voire un réactionnaire? Je ne le crois pas non plus. C'est quelqu'un qui a une approche peut-être assez mathématique des choses. C'est un scientifique au départ, Marcel Aimé, ça on l'ignore trop souvent. Mathématique et, des oui, choses. Oui, hein. Bah, il a fait maths sup au départ. Quand il a eu son bac, après avoir eu son bac à Dole, est allé à Besançon. Comment est-ce que Marcel Aimé passe de la campagne à la ville? Bien parce que à partir de 1925, il s'essaye à écrire. Qu'il a pourquoi est-ce qu'il s'essaie à écrire? Parce qu'il est malade, parce qu'il n'a pas pu continuer cette carrière d'ingénieur dont je vous parlais il y a quelques instants. Et que, bon, il monte à Paris pour faire médecine. Il tente de faire médecine, et puis il va une fois au cours, puis ça ne lui plaît pas du tout. Et il traîne dans Paris, il fait différents petits métiers pour survivre. Et puis, il tombe gravement malade et il rentre au pays, comme on dit, il rentre à Dole, où sa tante Léa le soigne. Et là, sa sœur aînée, Camille, qui est elle-même une femme, enfin c'est une prof de lettres, une femme de lettres, et lui dit, Marcel, pourquoi ne tenterais-tu pas d'écrire? Et je pense que c'est Camille qui a dû lui souffler même le sujet de Brûlebois, qui bien sûr est inspiré de la vie locale, puisque Brûlebois a réellement existé. Hein, c'est le nom d'une famille de Dole, Brûlebois et des environs. Et c'est une histoire de Dole, ce que ce Brûlebois qui était devenu ivrogne et qui transportait les bagages à la gare de Dole. Brûlebois, c'était en 26. C'est un succès certain. Et il y a même quelques articles dans la presse nationale à l'époque. Et bon, Marcel Aimé va à Poitiers, revient à Dole, et puis, pour tenter sa chance dans la littérature, il n'y a qu'une ville en France, comme pour beaucoup d'activités, il n'y a que Paris. Donc Marcel Aimé monte à Paris, mais il va mettre des années et des années avant de s'établir définitivement à Paris. Alors à un moment, je crois que c'est en 28, il est goûteur, et... Il y a un texte tout à fait sublime, je trouve, où il boit du jus d'orange et il y prend tellement goût qu'il boit tout le jus d'orange. Mmh. C'est un peu comme s'il bouffait la ferme. C'est ça. Il n'est pas goûteur, autant que je me souvienne. Il est chargé de commercialiser du jus d'orange. Et pour le vendre, bien sûr, il doit le faire goûter. Et effectivement, il finit très rapidement par manger le fonds de commerce puisqu'il consomme le stock. C'est très Marcel Aimé, ça. Ah, c'est très Marcel Aimé, oui. Il a fait un tas de métiers, il a fait le baron pour la loterie du marchand de Nougat. Jean-Paul. Il a été figurant de cinéma aussi. Il jouait toujours les nobles. Puis entre autres, alors, il m'a raconté une anecdote sur son démarrage dans l'assurance vie. Un jour, il voit un article dans un journal où on demande des marcheurs pour assurance vie. Avenue Michelet à Saint-Ouen. Il fonce là-bas, il prend le train de Mouet et c'est à côté du cimetière. Il y a juste un étage avec un bistrot. Alors il se rencarte chez le bistrot, il rentre, il voit un gros mec qui était en train de pérorer. Et tout d'un coup, le gros se retourne et dit « Ah, c'est vous, vous venez pour... » Il dit « Je viens pour la... » J'ai vu l'annonce. « Ah bon, alors prenez le coup et je suis à vous tout de suite. » Je suis dans le bistrot, il y avait des croque-morts, des fossoyeurs et puis... L'autre continuait à pérorer. Une fois qu'il a eu fini son discours, il a dit « Maintenant, je suis à vous. Alors, vous avez déjà fait le démarrage pour l'assurance vie ?» Il dit « Non. Alors, vous êtes novice, et ben allons-y. Alors, prenez le der, puis on va démarrer. » Ils ont repris le train de Mouet. Ils sont descendus à la porte Clignancourt. Et là, il y avait un grand immeuble de 5 étages. Il dit « On va attaquer l'immeuble. » Il dit « Alors, vous n'avez jamais fait le toc-toc. » Le toc-toc, c'est l'art de taper à la porte et... Il dit « Maintenant, quand la porte s'ouvre, vous mettez le pied en travers. » Enfin, il monte au cinquième. Il n'entendait que des merdes et des merdes et des merdes. Enfin, il dit « Frappe. »
Tout d'un coup, on ouvre la porte brusquement et il voit un mec, il dit « Oh, c'est pas le moment de venir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous demandez ?» On est assez emmerdé comme ça. Il dit « Mais comment vous êtes emmerdé ?» Mais il dit que cela ne tienne, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a nos chiottes bouchées. Oh, il dit « On va vous arranger ça, mais vous êtes plombier, mais pas du tout. » Il dit « Où se trouve ? Tenez, par ici, où sont les chiottards ?» Il va aux chiottards. En effet, il y avait de la merde jusqu'au bord. Et puis, pof, il débouche, toute la famille pousse un cri de joie, tout le monde était démerdé. Alors, il passe à la cuisine comme un docteur pour se laver les poignes, et puis on dit, bah, vous allez prendre un petit coup d'apéritif, et vous pourriez peut-être déjeuner avec nous. Non, on ne déjeune pas avec vous, faut qu'on continue notre boulot. Marcel était toujours là, filait le train. Et en effet, on assure toute la famille. Et à la sortie, il y a le gros qui dit à Marcel, bah, il dit, voyez, c'est pas plus difficile que ça. Il avait un côté dandy, comme ça. Dandy, non. Non. Non, parce qu'il était quand même un peu épais. Et d'accord, il était toujours soigneusement vêtu. Jacques Laurent. Mais pour moi, il avait plutôt un côté clown, parce qu'il avait un visage très figé. Et pour parler, il avait une certaine difficulté à ouvrir la bouche pour parler. Il me faisait toujours penser à un clown. Et il fallait beaucoup de choses pour qu'il en arrive à livrer quelque chose qui lui tenait à cœur. Il préférait se réfugier derrière des propos d'une banalité pudique. Pourtant, quelle rapidité dans son écriture. Ah, dans son écriture, oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Et dans ses dialogues. Il faut dire qu'il écoutait beaucoup, ça, il me l'avait dit, qu'il apprenait beaucoup dans les cafés, là, autour de la rue des Abbesses. Il écoutait parler les consommateurs le long du zinc. Car c'est un merveilleux dialoguiste, Marcel Aimé. Son dialogue a un son. Marcel Aimé est-il un hussard ? Oui, mais alors là, je vais faire tout de suite des réserves sur le mot hussard, mot qui a été inventé par Bernard Franck pour l'appliquer d'abord à Nimier, Blondin et moi, puis à Nimier, Blondin, Déon et moi. Et il ne faut pas oublier que c'est un mot de polémique. Je ne me suis jamais senti hussard. Je sais que maintenant, je fais partie avec Déon des deux derniers hussards. Enfin, disons que c'est une mythologie du hussard et que... Alors pourquoi ne pas y mettre Marcel Aimé ? C'était l'aîné des hussards. Vous étiez un peu autour de lui en admirateur. Il était beaucoup plus vieux que vous, il avait 20 ans plus que vous. Non, d'abord, Marcel Aimé n'aurait pas aimé du tout avoir des admirateurs. Ça l'aurait barbé. Et... Oui, il était beaucoup plus vieux que nous, mais... Vous aviez des affinités avec lui ? On avait beaucoup d'affinités avec lui. Bon, lesquelles ? Lesquelles, c'était d'abord son indépendance d'esprit... Parce que cet homme qui passait pour un homme de droite réactionnaire a passé son temps à attaquer la justice, l'armée, la religion, enfin tous les fondements de la bourgeoisie. Donc, et puis son écriture, cette liberté d'écriture. Peut-être le premier romancier qui a osé mettre des notes dans l'un de ses livres sur l'avenir de ses personnages par la suite. Enfin, une insolence d'écriture. Quand j'ai créé la revue La Parisienne, nous sommes rencontrés parce que je souhaitais sa collaboration à la revue. C'était une occasion, on serait rencontrés autrement, bien sûr. Et je l'ai vu à La Parisienne, je l'ai vu on fréquentait quelques bars où il n'allait pas souvent, mais enfin où il allait. Et il y allait avec une délicatesse merveilleuse. Je vous parlais de Blondin, il aimait beaucoup Blondin et... Blondin avait quelquefois des ardoises. Eh bien, il allait les lui régler. Et c'est une histoire que j'ai jamais osé raconter du vivant de Blondin. Parce que, au fond, Blondin ne le savait pas. Maintenant, je peux la raconter. Mais il ne les réglait pas entièrement. Parce que Blondin, quand il demandait de temps en temps au barman où j'en suis avec mon ardoise, tout d'un coup, l'autre lui avait dit, mais il n'y a pas d'ardoise, Blondin aurait dit, mais non, quoi. Donc, mettons, je prends un chiffre... conventionnel. Mettons qu'il devait 10 francs, eh ben Marcel Aimé réglait 7 francs.
Comme ça, quand Blondin demandait son ardoise, il avait une heureuse surprise. Il disait, tiens, bah, moi que je pensais, bah, je peux la régler. Ça, c'est l'infinie délicatesse de Marcel Aimé. Je m'étais toujours promis de ne pas parler à la radio. Je m'étais promis aussi de ne jamais écrire ou parler publiquement de Montmartre. Mais mes résolutions ont dû céder à des pressions amicales et je me trouve devant le micro, très embarrassé, sans avoir grand-chose à dire. Les séductions et les curiosités de la butte ont été souvent et copieusement célébrées. Chacun sait maintenant que Montmartre est un charmant village plein de peintres, de vin blanc, d'amitié et de cancan. Je ne peux qu'en tomber d'accord. Ce qui me met un peu à l'aise pour parler, c'est que je suis au Lapin Agile, le fameux cabaret conservatoire Montmartre de la chanson. Avant de venir, j'étais d'abord passé avenue Junot à l'atelier du peintre Eugène Paul qui peignait, les manches retroussées, l'œil étincelant, à grands coups de pinceau comme s'il se ruait à l'abordage d'un vaisseau. Nous avons échangé des souvenirs sur les années pré-14e et il m'a raconté l'histoire d'une belle fille de l'impasse traînée qui, ayant perdu toutes ses dents au cours d'une bagarre, se confectionnait des râteliers en mie de pain pour aller faire le trottoir boulevard de Clichy. Il faut dire que dans ce temps-là, nous avions du pain blanc. Lesté de ce récit historique, je suis monté sur la place du Tertre. Les touristes buvaient et mangeaient sous les parasols de couleur. Et je suis arrivé au Lapin où m'attendait l'état-major du micro, les autorités de la chanson et des amis du voisinage. L'atmosphère du Lapin était devenue telle que j'avais la plus grande envie de chanter devant le micro une chanson à boire. Alors, il est journaliste aussi, mais mauvais journaliste. Ah bah, selon les autres, bien sûr, hein, parce que au début, on lui dit qu'il écrit pas bien. Hein. Son rédacteur en chef lui retourne ses papiers en lui disant qu'il sait pas écrire le français. Vous savez, l'histoire de un de ses premiers reportages, quand il a fait le journaliste, on l'avait envoyé, à l'époque, ce qu'il faisait quand il y avait des types qui faisaient les chiens écrasés, on les envoyait faire des exécutions capitales. Alors mon Marcel Aimé, je ne sais plus pour quel journal, est envoyé faire le récit d'une exécution capitale. C'est épouvantable, il n'y avait rien à dire, d'ailleurs ça se passait très vite, mais enfin. Alors Marcel Aimé a envoyé le récit suivant, et il a dit, j'ai vu arriver le condamné entre les aides du bourreau et qui a été vers la guillotine, puis ça s'est passé très vite, mais alors il dit, j'ai pensé à ce moment-là à quelle difficulté il avait eu à couper sa femme, ce pauvre homme avait eu à couper sa femme en morceaux, etc. Et il a 10 lignes sur le criminel qu'il imagine pendant son crime, et puis il voit les difficultés techniques. Alors, il s'est fait jeter du journal, ça. C'est dans tous ses récits, ça. C'est dans tous ses récits. Alors, et il introduit alors, de temps en temps une dimension, le type redevient un bébé, l'assassin qu'on va guillotiner est redevenu un bébé. Il introduit quelque chose qui donne une absurdité totale. C'est au fond peut-être un des sujets les plus intéressants qu'on ait pu écrire contre la peine de mort. Il y a un côté Lewis Carroll aussi à la française. Non. Oui, c'est vrai. Sens et non-sens. Oui, c'est vrai, toujours. C'est un écrivain à la fois, c'est ça qui est fort chez lui, c'est à la fois un écrivain très classique, mais d'une très très grande originalité. Souvent, dans ses papiers, comme ça, il raconte une histoire, et puis à la fin, il dit, oui, de toute façon, je ne suis pas assez informé, et c'est quasiment le point final. Mmh. Il s'amuse, c'est vraiment un tremplin tout à fait, pour lui. Tout à fait, oui. Sa grande carrière dans le journalisme commence en 32-33, surtout en 33, quand après le succès de La Jument Verte, il est remarqué par Emmanuel Berle, qui dirige Marianne pour les éditions Gallimard, pour Gaston Gallimard. Et c'est à ce moment-là qu'il demande un papier hebdomadaire à Marcel Aimé. Et Marcel Aimé, effectivement, prend des sujets de l'actualité, prend l'actualité par le petit bout de la lorgnette, et termine, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion, par une pirouette, parce qu'il ne s'est pas terminé. C'est je pense qu'au bout d'un... Quand il a rempli le nombre de lignes à peu près qu'il a à remettre, eh bien, il en a assez, il est fatigué. Il trouve une pirouette et il s'en sort comme ça. Ses fins de pièces de théâtre également sont un petit peu bâclées. On sent qu'il est là de traîner son histoire. Et là, je crois qu'il était là de traîner son article. Alors, non, il fait une pirouette. Mais jamais dans les romans et les nouvelles. Il n'est jamais fatigué. Honoré
aimait encore sa femme à cause des enfants qu'elle lui donnait. Quand il la voyait enceinte, il s'émerveillait déjà que son plaisir fît autant de volume. Il regardait ses enfants comme des désirs anciens qu'il se réjouissait de retrouver si chauds, avec des yeux vifs et des peaux colorées. Ses deux filles et ses trois garçons faisaient partie d'une vaste famille. Ils étaient les mieux venus, les plus forts, entre tous les désirs qu'il avait confiés à sa femme. Mais ils étaient si beaux, si indiscrets, qu'il ne pouvait presque plus penser qu'à ceux-là. Leurs paroles, leurs chansons, il croyait les dire et les chanter lui-même. Ainsi, ses jouissances d'amour étaient sans fin. Elles renaissaient d'un sourire de ses filles, d'une dispute entre ses garçons, et leurs jeunes amours étaient encore les siennes. Souvent, quand il travaillait sur la plaine, il avait envie de rentrer à la maison, et le sang lui montait aux joues quand il pensait à Gustave et à Clotilde, les deux plus petits, qui étaient venus les derniers pour lui parler d'amour. Probable qu'il s'amusait avec le chien, ou bien il regardait des bêtes courir sur la margelle du puits. Lui, le père, il riait d'y penser. Pendant qu'il y était, il pensait aux autres, à tous ses enfants à la fois, en remontant depuis Clotilde jusqu'à Ernest, ou en redescendant, ou par le milieu, comme ça se trouvait. Et il riait encore un coup à se dire qu'il avait fait là une sacrée récolte, sans peine. Au contraire, comme en riant et en s'amusant, simplement parce qu'il avait du bon grain dans son sac. Marcel Aimé, lui, se met à parler, se met à écrire au sujet de la sexualité d'une manière extrêmement libre, extrêmement naturelle. Et ce qui choque, c'est l'excès de naturel. Et c'est le fait qu'il aborde directement les problèmes, crûment les choses. Et c'est ce qui fait scandale à l'époque. Alors, il le cherche, ce scandale. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit dit, tiens, je vais prendre tel ingrédient, plus tel autre, pour faire un beau roman. C'est pas le Marcel Aimé que je connais. Il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi les rivalités politiques au village, à savoir les rivalités entre les cléricaux et les anticléricaux, les rivalités entre les conservateurs et les républicains. Et c'est l'opposition entre différentes familles à la campagne que nous raconte la Jument Verte. C'est comme la guerre dans l'œuvre de Rabelais, c'est pour mieux fustiger la guerre dans l'œuvre de Rabelais ou bien la haine entre les familles. Marcel Aimé, il faut établir, pour prendre un terme que les intellectuels aiment bien, une distanciation certaine, vous comprenez? Et c'est ça, c'est les querelles de clochers entre différentes familles, doublées de relations sexuelles, et ça, c'est une joyeuse vie de la campagne. Travelingue, c'est quoi, travelingue? C'est travelling à la française? Oui, c'est ça, oui, c'est le mot travelling qui est francisé. Parce que c'est un roman de l'avant-guerre, un roman qui met en scène l'époque du Front populaire, et qui met en scène des bourgeois, des bourgeoises, surtout de jeunes bourgeoises parisiennes, un petit peu entichées de cinéma, un peu beaucoup d'ailleurs, et qui s'extasient sur les nouvelles techniques du cinéma, et qui, prennent leurs pieds à fréquenter les studios, et etc. Enfin, c'est des snobs. Entiché de cinéma, et en même temps c'est une peinture assez précise de l'époque un peu trouble du Front populaire. Dites-moi quelque chose, vous n'avez pas encore ouvert la bouche. Vous savez que je passe mon dernier certificat dans un mois. Vous vous en foutez? Bon. Et l'occupation des usines Renault, ça ne vous excite pas un peu? Je ne lis pas les journaux, répondit Bernard. Lily souleva la tête de sur son coussin et gémit. Quelle déveine que je doive rester couché. J'aurais tant voulu voir. J'avais 36 occasions d'entrer dans l'usine. Baguet, l'opérateur de ciné-actualité, m'aurait sûrement emmené. Oh, ça doit être d'une beauté. Tout à l'heure, dit la dame qui avait été curetée, j'ai rencontré un ami qui était allé dans la matinée. Il me racontait que dans un atelier, il a vu un ouvrier en bras de chemise qui jouait de l'ocarina. Et autour de lui,
Des ouvriers qui l'écoutaient dans des attitudes simples, des visages compréhensifs ils avaient, des regards purs. Ah, comme impression, c'était formidable. Il aurait fallu filmer ça. Il y avait une belle chose à faire en travelling. Il n'y a vraiment que le peuple qui sente la musique, fit observer une petite femme rousse qui se polissait les ongles en les frottant sur sa jupe. Et la poésie, ajouta Germaine. On se mit à parler politique. À travers les propos, la Révolution apparaissait comme un film d'une beauté formidable, dans une atmosphère de rutes et de poètes maudits, mais aussi comme une romance tiède, morale et attendrissante. Bernard songeait, sans pouvoir s'en amuser, au spectacle qu'eût été pour Micheline le salon de ses sœurs et à son effarement. « Vous avez l'air d'un fauteuil, lui dit Mag. Soyez quand même un peu plus causant. Si j'ai bien compris, vous seriez amoureux dans la haute industrie. C'est pas une raison pour me faire la tête. Pensez qu'il y a quelques semaines, vous vouliez absolument me faire liquider Alfred pour venir chez moi faire des effets de torse. Je vous en prie, j'ai horreur des femmes qui disent des cochonneries. Bernard, vous m'excitez. Regardez mes jambes. Avouez qu'elles sont belles. Et vous savez, je n'en ai pas l'air, mais j'ai une grosse poitrine. La barbe. Comme on servait le thé, arriva Johnny, de son vrai nom Auguste Legrain. C'était un homme de 60 ans, doux et affable, au crâne chauve, au visage mou, d'une peau grise et flasque. Ordinairement, le bout de sa langue posait sur sa lèvre inférieure, lourde et tombante, et cela faisait, au milieu des bouffissures de la face, une luisance juteuse d'un effet désagréable. Riche, notoirement homosexuel, il passait de surcroît pour être muni d'un anus artificiel, et ce détail curieux faisait rechercher sa société. Il vint au chevet de Lily et lui dit, en écrasant les mots du bout de sa langue, « Bonjour, petite récamier jolie, bonjour, petit oiseau des îles. Montre-moi les grands méchants qui t'ont mis en cage. Je vais les gronder, moi. Je ne veux pas qu'on emprisonne mon colibri. Je ne veux pas. » « Ce qu'il est gentil !» murmura Germaine. « Il a toujours eu le don des images !» fit observer la dame Cureté. Johnny eut un mot aimable pour chacun et fit le tour du salon en examinant les murs et en soupesant les bibelots. C'était une manie bien connue qui lui valait autant d'estime que l'anus artificiel. En passant, il avisa un jardin japonais en pot et s'amusa de remuer la terre avec une lime à ongles. Les assistants avaient tourné la tête et suivaient ses gestes avec émerveillement, tout en chuchotant « Il est adorable, il est charmant, il a toujours des trouvailles. C'est vraiment un homme formidable. Voilà qu'il bêche la terre du jardin japonais. Oh, il sait mettre de la poésie partout. Il a un ésotérisme inouï. » Comment est-ce que Marcel Aimé entre dans le monde du cinéma ? Très tôt. Très tôt parce qu'il est sollicité par Pierre Chenal, qui est mort il y a peu de temps. Et il est sollicité pour une adaptation de La rue sans nom. La rue sans nom, c'est un roman de Marcel Aimé de 1931. Et aussitôt, Pierre Chenal, qui cherche un scénario, trouve que La rue sans nom, et ce sera vrai dans toute la suite de l'œuvre de Marcel Aimé, est très cinématographique. Donc, il propose d'adapter La rue sans nom à l'écran, à la grande surprise de Marcel Aimé. Et il lui propose même de venir dans les studios, voir comment il travaille, et de l'aider à travailler, à mener à bien le projet. Et la collaboration se passe bien entre Chenal et Aimé, ça va, à un tel point que, ultérieurement, Marcel Aimé sera à nouveau sollicité pour des dialogues au cinéma. Est-ce qu'il va à Hollywood, Marcel Aimé, aux États-Unis ? Oui, il va aux États-Unis. Hollywood, je ne pense pas. Mais il va aux États-Unis. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, invité par un magazine qui s'appelait Collier, c'est le séjour de Marcel Aimé aux États-Unis lui a pas laissé un très bon souvenir. D'ailleurs, on le sent dans des textes ultérieurs, on le sent.
On sent qu'il y a... Dans La Mouche Bleue, non ? Oui, oui, par exemple. Au théâtre. Au théâtre, on le sent. On sent qu'il a été choqué profondément par le racisme. Et ça, c'est pas étonnant chez Marcel Aimé, qui était un homme empreint d'un grand humanisme. Alors, qu'est-ce que c'est « Vive la race » hein ? Il écrit ça en 1933. Ah oui. Alors, c'est un truc absolument horrible. Hein. Oui. Oui, ça dépend des goûts, mais enfin, c'est ce qu'on appelle de l'humour noir. C'est un discours d'un dictateur. Alors imaginez vous-même à qui il peut penser en 1933. C'est un dictateur qui harangue les foules et qui dénonce dans la foule des gens qui sont de mauvais ariens, qui sont des bons ariens, enfin, pour faire un jeu de mots facile. Et donc, ces gens-là doivent être tués immédiatement. Alors on les tue. On les tue et puis on découpe les foies pour les donner à manger. Évidemment, votre sensibilité peut être choquée. J'avoue qu'il y a quelque chose d'apocalyptique qui ne me déplaît pas dans ce genre de texte. Les 9000, très excités, épurons, épurons. En s'examinant mutuellement, les 9000 constatent qu'aucun des survivants ne possède les traits caractéristiques de la race aryenne. Ils se jettent les uns contre les autres avec des cris furieux. L'orateur. « Camarades, vous entendrez mon cri d'angoisse !» Les 6000. « Épurons ! Épurons !» L'orateur. « À votre tour, vous jetterez l'alarme !» Les 3000. « Épurons ! Épurons !» L'orateur. « Vous écarterez le péril odieux !» Les 500. « Épurons !» L'orateur. « Pour que vive la nation aryenne !» Les 10. « Vive la nation aryenne !» Les 10 continuent à se déchirer, il n'en reste bientôt plus qu'un. Le dernier. « Épurons ! Épurons ! » Il s'arrache un bras, puis la tête. L'orateur. « Vous me mettrez votre foie de côté pour... » Mais les piles de foie s'écroulent avec un bruit mou. Un foie entier tombe dans la bouche de l'orateur qui expire. Tout est fini. En octobre 1935, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, Mussolini a envahi l'Éthiopie, et donc en France, là encore, une fois de plus, si vous voulez, les Français se scindent en deux camps, et il y a ceux qui sont pour des représailles contre l'Italie de Mussolini, et ceux qui sont contre. Et Marcel Aimé signe le manifeste qui est contre les représailles à l'égard de l'Italie, non pas parce qu'il partage l'idéologie réactionnaire des auteurs du manifeste, j'insiste bien, mais par souci de paix, par pacifisme, parce qu'il a peur que si l'on s'engage dans des représailles, qu'est-ce que c'est que des représailles, c'est la guerre, contre l'Italie, on déclenche une guerre généralisée en Europe, il avait quand même un certain sens de l'histoire, et partant de là, il préfère s'accrocher à la paix. Mais il ne faut pas dire que pour autant, il vire cette cutie à droite. Je crois que c'est une école importante de réflexion. Et puis surtout, il y a une leçon fondamentale que personnellement, j'adore. C'est le fait que on ne peut pas, si on veut vraiment être un être humain accompli, accepter totalement une idéologie. On ne peut pas totalement accepter un système, mais que chacun d'entre nous, comme le dit Marcel Aimé, doit faire son brouet avec un tas de choses prises ici ou là. Ça s'appelle manger à tous les râteliers, c'est ça ? Eh bien, ça, c'est une expression que parfois on utilise. Je la trouve parfaitement déplacée. En ce qui concerne Marcel Aimé, elle témoigne d'une incompréhension totale, au contraire. Alors moi, une expression en valant une autre, je veux dire que c'est une quête spirituelle excessivement difficile. Comment est-ce que vous expliquez le passage de gauche à droite en 1935 ? Marcel Aimé, c'est un écrivain de gauche jusqu'en 1935. Puis ensuite, il écrit quand même aux côtés de Brasillac en 1942. Dans « Je suis partout ». Alors là, je vais vous expliquer une chose sur cette période. Il y a des gens qui étaient journalistes, ou écrivains, ou Dieu sait quoi. Et puis, l'occupation arrive. Alors, aujourd'hui, on s'imagine que la France est divisée entre des gens qui collaborent et puis les autres qui résistent. Bon. Alors, la plupart des gens, ils cherchaient à continuer à vivre. Alors, si vous étiez charpentier
Ou si vous étiez marchande de vitres ou de je ne sais quoi, vous pouviez continuer votre existence sans que ça touche à la politique. Mais si vous étiez journaliste, par exemple, alors, restez que des journaux collaborationnistes. Marcel Aimé a donné des nouvelles. Enfin, Marcel Aimé, il a quand même écrit à côté de Brasillac en 42. Brasillac, il écrivait dans Je suis partout, il faut tuer les petits. Juste à côté, Marcel Aimé donnait ses papiers. Bon, c'est vrai que c'était des critiques de peinture, mais quand même, Marcel Aimé, il savait lire, écrire. Il aurait pu se taire, puisqu'il était silencieux, puisqu'il était un mur ailleurs. Mais je crois qu'il aurait pu se taire, il fallait quand même qu'il donne de la copie pour vivre, c'est tout. Enfin, il allait quand même à l'ambassade, il allait bouffer à l'ambassade. Il a été bouffé à l'ambassade ? Souvent, oui. Peut-être qu'il a été à l'ambassade pour aller voir. Après la guerre, pourtant, il n'arrête pas de vouloir se dédouaner dans Uranus, par exemple. Il ne se dédouane pas tellement dans Uranus. Ce qu'il fait, c'est qu'il il rétablit un petit peu les choses comme elles sont. Alors qu'on a tendance à faire un récit en noir et blanc, hein, complètement. C'est ça, je crois. Mais lui, il ne tente pas de se réhabiliter. Il n'a pas à se réhabiliter. Il n'a pas été condamné, ni rien. Alors donc, il n'a pas à se réhabiliter. Il prend la défense de certaines gens. Ça, c'est évident. Mais il l'a fait avant pour d'autres. Il l'a fait pour des Juifs. Il l'a fait avant pour d'autres. Je crois qu'il était, d'emblée pour ceux qui se trouvaient en prison. Quoi. Puis c'est tout, à un moment ou à un autre. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je devrais n'avoir pas peur. Mais le fait est que j'ai peur. Il me semble toujours que les gens me soupçonnent de ne pas haïr ce qui doit être haï, de ne pas adorer ce qui doit être adoré. Rien n'est plus éloigné de moi que les sentiments forcenés de haine et d'idolâtrie. Et cette modération, j'en souffre maintenant comme d'une infirmité. Je voudrais penser comme tout le monde, et que ça se voit sur ma figure. Alors, je joue la comédie, je fais des bassesses. Quand des Jourdans ou des Fromentins rugissent des imprécations contre les collaborateurs, je ne peux pas m'empêcher d'en remettre. Et s'ils m'informent qu'un homme a été fusillé, je prends malgré moi un air de jubilation. Tenez, j'ai dans ma classe le fils d'un gaulliste communiste. Eh bien, j'ai beau m'en défendre, j'ai pour lui des égards que je n'ai pas pour les autres élèves. J'évite de le punir. Je m'arrange pour lui flanquer de bonnes notes. Quelle misère, Vatrin. Quelle misère. Et vous n'avez pas peur? Si, un petit peu. À vrai dire, très peu. Mais moi, je ne suis pas tout à fait normal, je suis détraqué. Vous, Didier, vous vous comportez comme une cellule saine dont la teneur en phosphore ou en calcium se modifie avec celle de l'organisme auquel elle appartient. Vous avez peur avec 39 millions de Français. N'en soyez pas affligé, mais admirez cet impérieux sentiment de l'harmonie qui vous pousse à hurler avec les loups. Aujourd'hui, c'est l'harmonie de la grande peur qui règne parmi les hommes. Il y a beaucoup d'autres harmonies plus belles qui auront leur tour. Le monde est merveilleusement construit, et l'homme en est le chef-d'œuvre parfait, Didier. Je vous le jure. Alors, Marcel Aimé soutient Brasillac jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Oui. Bardèche aussi, mais bon, Bardèche, c'est la même famille que Brasillac. Et alors Rebattet, c'est le torchon. Il soutient aussi Rebattet. Il va à son procès. Et puis, à l'issue du procès, il va le voir et puis il lui dit « Est-ce que c'est bien vrai que tu as été véritablement fasciste ?» Et comme l'autre lui répond « Oui », il regarde, il se tait et il s'en va. C'est Marcel Aimé, ça. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas où sont vos valeurs, mais moi, mes valeurs sont là aussi. Quelles sont les valeurs de Marcel Aimé? L'amitié, l'honnêteté intellectuelle, la solidarité avec les amis. C'est la solidarité avec les gens humbles, avec les petites gens,
C'est beaucoup d'amour pour les gens qui sont opprimés. C'est ça, Marcel Aimé. C'est ça, son système de valeurs. C'est la croyance aussi en l'homme, quoi qu'on en dise. Seulement, il dit que l'être humain est un mélange de grandeur et de bassesse. Il montre bien qu'il y a chez chacun, chez chacun de nous, il y a des possibilités de faire de très belles choses, puis des possibilités de faire de petites saloperies, voire des grosses. Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue Le Pic. Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temple. Ouais, parce que je fais pas de grosse différence. Oh. Deux bornes. Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein? Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein? Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme au bonsoir. Ah, parce que c'est, vous voulez profiter de la situation? Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Le Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres. Oui. Oh, toi, je te demande rien, hein. C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards, moi je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs, 900 francs, pour les deux, hein. Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45 ici. Pourquoi me demandez-vous ça? Ah bah pour rien, puisque je le sais. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Ah, laisse-nous tranquille, on part sérieusement. Bon, entendu pour 900. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le camp, vous et votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Jean-Marie Turpin, écrivain, petit-fils de Céline. La seconde épouse de Louis-Vernon Céline, Lucette Almanzor, dans les gens extrêmement fidèles, comme ça, qui venaient la voir après la mort de Céline, et il y en avait assez peu, citait toujours Marcel Aimé, qui venait silencieusement tous les dimanches. Il est venu pendant un an, enfin jusqu'à sa mort, en fait. Jusqu'à sa mort, il venait tous les dimanches, sans dire grand-chose, et il s'asseyait là, généralement à peu près aux endroits où Céline se tenait, c'est-à-dire sous une tonnelle derrière la maison, et il restait une heure et demie, généralement, donc, disant quasiment rien. Et puis on venait le chercher, il repartait. C'était, au fond, une sorte d'acte de... Enfin, Lucette Almanzor le ressentait comme un acte d'amitié très profond. Donc, il venait le voir, au fond. Céline, il disait, il y avait de l'acrobate dans ses zigs. Céline, il lui donne le nom de Marc Empiem dans les maudits soupirs pour une autre fois. Il paraît qu'empiem, c'est un terme de médecine qui désigne une accumulation de suppuration. Il ne va pas par le dos de la cuillère, Céline, en parlant de son ami. Enfin, Marcel Aimé, il soutient quand même Céline au moment du procès. Il le soutient mordicus. Oui. Oui. Il cherche même des signatures, des amis, il écrit au président du tribunal. Oui, effectivement, je crois qu'il y a eu tout un mouvement de Marcel Aimé pour Céline au moment effectivement du procès. Seulement, autant que je me souvienne, et donc là c'est vraiment par oui-dire, et c'est donc par la transmission des paroles de sa seconde femme, au moment même où Céline risquait gros, Marcel Aimé l'aurait plutôt, comment dirais-je, aidé à s'embrouiller que clarifié. Ça sera un grand témoin de cette époque. Il y a les scories, là, ce dont vous parliez tout à l'heure, pour moi, c'est des petites choses, c'est les scories. Et il a une grande, grande place, moi, je crois. Non. Écoutez, autant il résistera mieux que beaucoup d'autres, et même je prendrais presque un pari pour Marcel Aimé contre Céline. Parce que Céline...
à partir de Mort à crédit, il s'est lancé dans une expérience de désarticulation de la langue, et il a utilisé un langage qui est transposé de l'argot, qui sera très indéchiffrable aux gens par la suite, alors que Marcel Aimé est limpide, il est absolument classique. Il n'a pas pris de risque, si je puis dire. Il ne s'est pas guindé en disant « je suis un classique », c'est une attitude un peu que Monterland. Monterland dit « voilà, j'arrive, et puis je suis Racine, donc vous allez me lire dans 200 ans ». Céline, il part dans un voyage au bout de la langue. Après le voyage au bout de la nuit, le voyage au bout de la nuit, là, ça tient le coup. Il n'y a pas de problème. Après, j'aime beaucoup, j'adore, mais je veux dire, le risque. Marcel Aimé, il est là comme pour le reste, aussi tranquille. Il dit, je fais mon truc. Il y a vraiment le côté artisan qui fait son boulot. Alors, il est dans la grande tradition d'une espèce de littérature qui vient du Moyen-Âge, un peu. Il est dans cette tradition-là. Il fait des romans, des livres, un peu comme Brassens faisait des chansons. C'est une comparaison à faire. Voilà. C'est un moraliste, Marcel Aimé. Oui, au meilleur sens du terme, bien sûr. Voilà. Moraliste comme La Fontaine. Quelles sont ses valeurs? Il croit à quoi, Marcel Aimé? Oh, il croit un peu à une certaine fraternité qui peut naître comme ça chez les hommes de temps en temps. Il ne croit pas aux grands mots, jamais. Est-ce que chez Marcel Aimé, enfin dans les romans, dans les récits, est-ce que c'est l'intrigue qui compte? Est-ce que c'est l'histoire qui compte en premier lieu? Pas tellement, finalement. Il plante d'abord le décor. Oui, mais il est très fort. Je crois que c'est un des romanciers les plus solides parce qu'il est équilibré entre toutes les choses sont très équilibrées chez lui. Bon, il plante le décor, c'est vrai. Il amène les personnages. Les personnages, il les plante aussi et il les met dans une intrigue. Mais l'intrigue est bien faite. C'est une intrigue de roman. Donc on a tourné complètement le dos à cette forme romanesque. Mais lui, il arrivait à être à la fois dans un même roman réaliste et surréaliste et puis très très quotidien et à avoir un style qui, l'air de rien comme ça, était extrêmement poétique. Alors c'est Monsieur l'air de rien, ça lui ressemble d'ailleurs physiquement. Il est là, il a l'air un peu d'un somnambule qui traverse la ville. On ne fait pas attention à lui. Mais il a tout vu, il a tout pigé sur l'époque. Parce que aussi, quand c'est les romans parisiens, il y a l'époque qui compte avec la traversée de Paris, qui est une nouvelle simplement, mais avec le chemin des écoliers ou Uranus, ou Travelingue. Il a dépeint une époque, il a vu les travers d'une époque. Alors, au moment d'ailleurs où il écrit les livres, il est à chaud. Alors, on peut mieux les apprécier maintenant. On s'aperçoit qu'ils sont exactement comme certains vins qu'il ne faut boire que 20 ans après, parce qu'il avait su cibler exactement les choses. Et quand on est tout à fait au sortir de la guerre, Uranus est un livre qui dérange. Alors comment on se débarrasse d'Uranus? Bon, il a des critiques, Marcel Aimé c'est pas n'importe qui, etc. Mais enfin il y a une espèce de silence qui se fait autour parce que c'est l'époque de Sartre et de l'existentialisme. Alors il est à côté. Il est contre personne d'ailleurs. Ça c'est aussi une attitude. À un moment donné, je crois qu'il dit qu'il ne peut pas être haineux même à l'égard de ses personnages et même les plus épouvantables, il a une espèce d'affection pour eux. Et je me souviens d'une nouvelle où il y a un type qui découpe des gens en morceaux et tout, il le dépeint comme ça, tout tranquillement, comme si c'était son voisin. Alors le roman, il ne le bouleverse pas, il ne chamboule rien dans le roman. Il s'installe dans le roman, dans la meilleure tradition. Vous avez, d'ailleurs, à l'époque où il a commencé d'écrire,
il n'était pas à la mode de vouloir bouleverser. On n'imaginait pas le nouveau roman. Et on a peut-être raison, parce que le nouveau roman est apparu, mais on peut dire à l'heure actuelle qu'il a également disparu. On n'imaginait pas qu'il fallait changer forcément les structures du roman. Que... On n'imaginait même pas, le roman américain n'avait pas eu, enfin, la Faulkner n'avait pas eu encore de conséquences dans le roman français. Il faut presque attendre Camus pour ça. Et donc, c'était pas traditionnel d'écrire un roman d'une manière traditionnelle. C'était normal, ça allait de soi. Cela dit, chaque romancier crée un nouveau monde. Il n'est pas forcément obligé de changer les structures du roman pour créer son nouveau monde. Parce que dans le roman, il n'y a pas d'école. Même, il y a peut-être une, c'est l'école naturaliste, c'est Soirée de Médan, mais enfin, c'est un cas un peu particulier, et puis c'est pas une véritable école. Parce que, entre Flaubert et Maupassant, il y a quand même un abîme. Et il peut y avoir des écoles en philosophie, mais pas dans le roman. Donc Marcel Aimé n'était l'élève de personne, n'était le fils de personne. Bon, Nietzsche pouvait dire qu'il était le fils de Schopenhauer, mais aucun véritable romancier ne peut être le fils d'un autre romancier. C'est perpétuellement une génération presque spontanée, le roman, mais qui se fait, évidemment, avec des pages, des chapitres, des personnages, un décor. Bon, ben Marcel Aimé a continué le roman. Cela dit, ses romans ne ressemblaient pas du tout au roman de son époque. Un roman de Marcel Aimé, si on se replace dans les années 30, ne ressemble ni à un roman de Malraux, ni à un roman de Giono, ni à un roman de Giraudoux. C'est du Marcel Aimé d'emblée. C'est du Marcel Aimé. Et je vous dirais qu'à l'époque où je dirigeais l'hebdomadaire Art, j'ai eu plusieurs articles de Marcel Aimé. Et Marcel Aimé avait la manie d'attaquer les Américains, c'est sa bête noire. Et dans les accords que j'avais passés quand j'avais repris l'hebdomadaire Art, vis-à-vis de l'ancien propriétaire, il avait convenu que Art garderait sa ligne apolitique. Et à la fin de ma direction d'Art, j'avais été obligé de donner la majorité de mes parts au groupe Hachette, et j'étais contrôlé par Pierre Lazareff, le directeur de François. Alors j'étais embêté de cet article de Marcel Aimé qui attaquait tellement les Américains. Et comme Lazareff exerçait son contrôle pendant la dernière période d'Art, je lui ai demandé, on a déjeuné ensemble, je lui ai fait lire l'article de Marcel Aimé. Et il me l'a rendu en me disant, mais enfin, c'est pas de la politique ça, c'est du Marcel Aimé. Eh bien oui, il avait raison. Et les romans de Marcel Aimé, ils ne sont pas des romans de 1930 ou 1960, c'est du Marcel Aimé. Comment définir alors cette empreinte? Ce serait très difficile et même impossible et inutile. Mais on sent tellement vite qu'on est dans Marcel Aimé, qu'il a créé son monde. Et son écriture, bien qu'elle n'ait aucune singularité, son écriture, il écrit comme tout le monde, mais il écrit surtout comme Marcel Aimé. Il a un côté très politique, quand même. La politique, ça l'intéresse, c'est évident. Peut-être pas comme réflexion, mais comme une espèce de malédiction, quasiment sans remède. Bon, je crois qu'il voit du mal dans tous les pouvoirs qui s'exercent sur la société, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir juridique ou policier. Enfin, c'est pas une vision manichéenne, quand même. Il sait très bien que l'homme, son héros, est un être qui vit en société. Et en même temps, c'est pas du boujadisme non plus, et en même temps, il est agacé par cette société et il essaie d'en tirer tout le parti possible pour une œuvre littéraire, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'avant tout, il veut faire une œuvre littéraire. Quand on parle de Marcel Aimé, on doit parler avant tout d'un écrivain. C'est pas sa vie qui est tellement intéressante. Oui, enfin, quand même, je sais pas, il était mêlé à l'histoire, quand même, sans le vouloir vraiment. Oui, enfin, l'histoire avec un grand H. C'est un homme qui était très courageux. Par exemple, dans la période qui a suivi la Libération, il a pris parti contre des excès de l'épuration. Et contre également le nouvel état d'esprit dans le confort intellectuel, contre le nouvel état d'esprit des intellos de l'époque.
Et il fallait à ce moment-là un courage civique pour faire ça. Cela dit, il ne le faisait pas du tout par dévouement, je ne le faisais pas par courage civique, il le faisait par humeur, il le faisait parce qu'il y avait des choses qui l'agaçaient, il se grattait. C'est l'humeur qui est une des grandes inspiratrices de Marcel Aimé. Enfin, après la guerre, il n'arrête pas de se dédouaner. Ah non, au contraire, il s'enfonce, il fait le contraire. Alors, se dédouaner, ça aurait été faire. Non, au contraire. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Mais c'est maso, ça. Non, c'est pas maso, c'est courageux. Germaine tourna la tête avec un demi-sourire, signifiant qu'elle savait apprécier le choix du nouveau gourdin. Les coups se mirent à tomber, plus réguliers et mieux appliqués. Les raies rouges se multipliaient. Toute une région du dos en était empourprée et des gouttes de sang perlaient à de légères déchirures de la peau. Juliette s'approcha et du doigt désigna à son père la pointe de l'omoplate où frappait un coup plus sensible, mais il ne voulut pas tenir compte de l'indication. Germaine ne se plaignait ni ne bronchait, mais sa respiration devenait plus bruyante et soulevait ses flancs à une cadence plus rapide. Voyant son père animé à la tâche, Armand découvrit une trique qu'il tenait cachée derrière lui et en asséna un coup sur le vaste dos où il y avait place pour deux ouvriers. Le père faillit l'arrêter, mais étant donné le caractère exceptionnel de l'offense, il jugea son fils en droit d'en tirer réparation et le laissa faire. Germaine sentit pleuvoir les coups à une cadence plus alerte et, prise d'un soupçon, donna un coup d'œil par-dessus l'épaule. Armand relevait son bâton. L'œil en feu, elle se retourna d'un mouvement prompt et, en fonçant sur son frère, lâcha son corsage. Ses seins jaillirent dans la cuisine. Les deux énormes globes, durs et blancs, répandaient une clarté qui étonna Armand. Il n'eut pas le temps de reculer ni de se protéger. D'une claque à la mâchoire, sa sœur l'envoya s'asseoir sur une chaise et il resta un moment affaissé, l'œil éteint et la tête ballante. Germaine ramassa son corsage et, se tournant vers son père, s'excusa pour la poitrine. « C'est de sa faute. Je ne pouvais quand même pas supporter ça. » Mais oui, il m'a proposé, je ne pouvais pas jouer ce qu'il m'a proposé, la langouste. Il avait fait le rôle pour moi, dans Clérambard. Je jouais autre chose. Et il m'a proposé Lucienne et le boucher, aussi, qui a joué Valentine Tessier. Mais ça, c'était un merveilleux rôle, mais pour une femme beaucoup plus physique que moi. Ça allait beaucoup mieux à quelqu'un de pulpeux comme Valentine Tessier. C'était pas tellement pour moi. Ah, c'est vous. J'allais justement chercher ma viande. Je vais aller vous servir. Je vous remercie. C'est si naturel. J'aime que ce soit vous qui me serviez. Ah, je vous garde toujours des bons morceaux. J'aime vous voir que, comme vous êtes là, le cou dégagé, les bras nus, les bras forts. J'aime vous voir prendre la viande, la claquer sur la table. Le sang vous court sous la peau. Vos mains couvrent tout un beefsteak. Oh, elles sont fortes, vos mains. Bien sûr, ce n'est pas des mains de pianiste. Et quand vous cassez, quand vous cognez, on voit les muscles se durcir. Là, on voit l'effort de la poitrine, des épaules et des reins. On sent le santé, le muscle partout. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est Moreau. Oui, je l'ai entendu dire tout à l'heure. Oh, ce Duxin est fort comme un Turc. Oh, question de santé, j'ai pas à me plaindre, je me porte bien. Tout est solide, tout est fort.
Même l'odeur du sang, et l'odeur de la peau, et l'odeur du poil. On respire. On voudrait être serré dans ses bras-là, presser son ventre sur ton tablier. Oh, Madame Moreau, respirer le sang sur ta nuque, sur ta poitrine. Madame Moreau, je suis si heureux. Goujat, brute. Je ne croyais pas. Ben, c'est vrai, je suis un dégoûtant. Oui, dégoûtant. Une brute, une grande brute, une sale brute de boucher. Ben, c'est bon, puisque je me suis mis dans mon tort. Vous êtes fourré dans les mauvais lieux tous les soirs, hein? Non, mais en voilà des questions. Comme une brute, ben, c'est mon affaire. Tu y vas, brute, serre-moi fort, tutoie-moi. Serre-moi avec toutes tes forces qu'on entende craquer mon corps, boucher. Pas beaucoup aller au théâtre. Je préfère le lire que de le voir jouer. Si vous n'aimez pas aller au théâtre, c'est que vous n'aimez pas beaucoup le théâtre. Et pourtant, depuis 20 ans, vous écrivez pour le théâtre et vous écrivez d'excellentes pièces pour le théâtre. Bien, j'y prends plaisir, mais... Ah ! Maman ! Une araignée, là, sur le bahut. Oh, elle est énorme ! Je vais la tuer. Laissez cette petite bête tranquille. Oh, je vous promets bien qu'elle ne m'échappera pas. Je laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne vais pas la laisser courir sur le bahut tout de même. Une araignée. Eh bien oui, c'est une araignée. Et après? Est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi vous écraseriez une araignée qui ne vous a rien fait. Araignée, ma sœur, sois la bienvenue chez nous. Hier encore, je n'étais qu'un pauvre ignorant, et j'aurais laissé ma femme t'écraser. Mais depuis, un peu de lumière du ciel est descendue dans mon cœur. Je sais maintenant ce qu'un homme doit de tendresse et de respect à toutes les créatures de Dieu. Non, tu n'es pas une bête répugnante. Ton corps a la forme d'un bel ovale. Tes longues pattes poilues sont finement dentelées. Tu es... comme la fleur d'un fil de la Vierge. Est-ce vrai? Certainement. Désormais, tu seras la joie de la maison, et notre amitié en sera la douceur. Oh, l'horreur! La voilà qui court sur le mur. Va, petite sœur, va, tu es chez toi, libre d'aller et venir à ta volonté. Ici, tu n'as pas besoin de vivre caché. Ce serait pourtant prudent. Ta vie m'est aussi précieuse que celle de ma femme. Je vous remercie, Hector. Voilà un compliment agréable à entendre. Mais je voudrais bien savoir pourquoi vous témoignez tout d'un coup tant de sympathie aux araignées. Hier encore, vous avez tué un pauvre jeune chat qui ne demandait qu'à vivre. Et ce chien qu'il y a 8 jours, vous avez jeté à l'eau après l'avoir égorgé sous les yeux d'Octave. Que vous avait-il fait? Louise, j'attendais vos reproches qui ne sont que trop justifiés. Oui, j'ai tué des chats, j'ai tué des chiens... sans autre raison que celle d'assouvir d'infâmes instincts. Je ne crois pas qu'un jour je puisse l'oublier, mais je vous demande de m'en faire souvenir à chaque instant. Je n'ai jamais tué que de pauvres animaux, mais je ne doute guère que j'ai été capable de tuer des hommes aussi bien. Avec la même férocité, que dis-je? J'en suis sûr, puisque j'y ai déjà pensé. Oh non, Hector, je ne vous crois pas. Je vous dis qu'il m'est arrivé d'y penser. Et non, pas une fois. Ah, si vous saviez, Louise, quel homme j'étais. Heureusement, j'ai trouvé hier mon chemin de Damas. Désormais, je m'appliquerai à être l'ami des animaux et à les défendre tous, quels qu'ils soient. Mon ami, vous tombez d'un excès dans l'eau. Les araignées comme les autres. Vous avez compris? Ne doit-on pas défendre d'abord les plus petits? Les plus faibles. Quand vous écrivez des pièces comme La tête des autres, ou Louisiane, ou même La convention Belzébir, vous ne vous sentez nullement engagé
Vous ne défendez pas de thèse? Non. Jamais? Non, la tête des autres, c'était plus direct, parce qu'à ce moment-là, la magistrature s'était compromise. L'attaque était directe. Là. Oui. Mais dans Louisiane, par exemple, c'est une pièce sur la ségrégation raciale. Oui. Vous prenez position, quand même. Non, je ne prenais pas position. Vous constatez? Oui. Alors, vous vous considérez comme un écrivain, comme un auteur dramatique, je ne parle pas de vos romans ni de vos contes, désengagé. Oui, désengagé, oui. Un témoin. C'est ça. Lorsque, au lendemain d'une générale comme celle de la Convention d'Elzébir, vous lisez ou on vous dit que la critique ne vous a pas suivi, est-ce que vous êtes tenté de vous interroger sur la qualité de votre travail? Non, quand on me dit qu'une de mes pièces est mauvaise, je le crois. Mais faire en autocritique, non, je n'ai pas l'habitude. Et quelle est votre pièce préférée? Ce qui est passé, vous savez. Une fois la pièce écrite et jouée, elle n'existe plus pour vous? Elle est oubliée, elle est... Oui, une fois qu'elle a cessé d'être jouée, oui. Martin! Oh merde! Oh, excusez-moi, mais c'est... Grand-Gilles! Ah oui, Grand-Gilles, je me rappelle! Ah ben, Grand-Gilles! Alors, Martin, toujours les valises? Ah oui, celles des autres! Au revoir! Au revoir! Et le cinéma, alors au cinéma, quel est le rôle de Marcel Aimé? Il a donné prétexte à des films, mais lui n'a pas fait grand-chose. Et à mon avis, quand on voit son nom à un générique, il y allait pour boucler sa fin de mois, hein, sûrement, parce que les résultats sont ce qu'ils sont, mais enfin, bon, c'est pas... Il n'a jamais été Prévert au cinéma. Hein. Bon, c'était pas son truc. Il a donné prétexte à des films formidables comme maintenant Uranus ou La Traversée de Paris, d'autres films très médiocres. Là, vous savez, là on vous achète les droits et puis après ça devient ce que ça devient. L'auteur est pas très... Oui. Vous nous racontez La Traversée de Paris, comment ça s'est fait, parce que vous connaissez bien la... Alors, je connais bien comment ça s'est fait. Je peux vous dire que c'était une idée que Autant Lara avait depuis longtemps, de faire ce sujet. Il y a eu des difficultés de toutes sortes, comme dès qu'on a commencé à faire un scénario. Par exemple, La Traversée de Paris, c'est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Le Vin de Paris. Et dans la nouvelle, la fin est tragique. Alors déjà, Gabin, qui jouait le rôle principal... a plus ou moins exigé d'avoir une fin différente. Et le producteur, ils se sont bagarrés avec Autant Lara, ils ont imposé cette fin un peu plus optimiste. Alors, du point de vue... De leur point de vue, ils avaient raison, parce que le public a marché à cette histoire dans la mesure où, à la fin, on trouvait un petit clin d'œil. Les deux personnages étaient vivants, l'un était opulent et l'autre était porteur à la gare. Mais ça restait féroce, c'était même très féroce, mais on n'avait pas besoin d'ajouter à ça. Voilà, alors là, je crois qu'ils avaient raison. Alors Marcel Aimé, lui, avait eu Bourvil qui avait fait le passe-muraille. Jusque-là, Bourvil avait fait que des films de deuxième catégorie, des trucs pas si bêtes, etc. Et il ne voulait pas de Bourvil, Marcel Aimé. Alors, il s'est engagé à un conflit entre Autant Lara et les adaptateurs. C'est Orange et Bost qui ont fait l'adaptation. Et finalement, quand le film est sorti, que Marcel Aimé l'a vu, il a écrit une lettre pour dire qu'il s'était trompé et que Bourvil était remarquable dans le film. Il avait aussi beaucoup d'élégance, il était beau joueur, il n'insistait pas quand il avait tort. Alors le bœuf, frappant la terre de son sabot, répondit avec colère:
C'est tout de même malheureux, mais il n'y a pas moyen de réfléchir en paix une minute. On ne s'appartient pas. On dirait que je n'ai pas d'autre affaire que leur charrue. J'en ai par-dessus la tête de leur joue. Le maître demeura interloqué, à se demander si son bœuf avait bien toute sa raison. On dit que Marcel Aimé, c'est un nanar, de droite. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un anarchiste de droite? C'est plus facile. C'est-à-dire que c'est très normal qu'on l'appelle comme ça, étant donné que, bon, on l'étiquette de droite d'abord. Et puis on remarque ensuite que cet homme de droite est contre les prêtres, qu'il est contre les généraux, qu'il est contre les juges, enfin qu'il est contre tous les fondements de la droite classique. Alors il ne faut pas se démonter à ce moment-là. On dit oui, il est de droite, on garde le mot. Mais c'est un nanar de droite. Ça ne veut rien dire. Bon, on l'a appliqué aussi ce terme. C'est pour ça que je ne parle pas à la connaissance de cause, ça ne veut rien dire. Alors c'est quoi Marcel Aimé? Bon, un écrivain, d'accord? Un inconsolable? Un moraliste? Quand même? Oui, il y a un moraliste. Je ne serais pas d'accord pour le classer comme je l'ai vu dans une histoire de la littérature, dans les humoristes. Où, bizarrement, il était classé avec André Monroy, d'ailleurs. mais il était... Il avait un... Bon, c'était un moraliste qui souriait avec une certaine amertume, mais qui souriait, mais il y a tellement de choses qui sont à la fois très cruelles, mais qui sont justement racontées par Marcel Aimé très amusantes. C'est... Bon, par exemple, je me rappelle une nouvelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, où il y a le père, la mère, la belle-mère et le gosse qui est collégien et qui n'a pas de très bonnes notes en rédaction, en narration. Alors son père est vexé parce que au bureau, il y a le fils d'un collègue qui a de meilleures notes et un beau jour, il décide de faire la dictée à la place de ce fils qu'il trouve un peu nul. Ce qui provoque des querelles avec la belle-mère qui essaie de défendre son petit-fils. Tout ça est vu d'une manière admirable. Et alors le père fait la dictée, à la place, fait la narration à la place de son fils. Et il le fait dans le style le plus ampoulé, le plus peuplé de lieux communs, de phrases toutes faites, mais qui lui paraît tout à fait réussi. Et le prof donne une très mauvaise note, et avec un commentaire, on dit, d'habitude vous êtes un petit peu sec, un petit peu... Mais alors là, qu'est-ce qui vous a pris? C'est épouvantable, bon... Et le gosse ment à son père et lui dit qu'il a eu la meilleure note et le père ronronne. Ben, il y a tout, c'est une nouvelle qui doit avoir 12 pages. Et ben, c'est un chef-d'œuvre de vision d'une famille. Et finalement, on voit cette famille à travers le regard de cet enfant qui est en train de comprendre des tas de choses, peut-être surtout à travers cette narration. Ceci étant dit, étant écrit sans amertume, sans irritation, ben oui, ça c'est le délice de Marcel Aimé. C'est jamais très profond, Marcel Aimé. Enfin, il n'y a jamais de... Non, mais ça ne vise pas ça. C'est pas... Même il aurait eu... Je crois que s'il avait écrit une phrase trop profonde, il l'aurait coupée. C'est le contraire de Malraux. Pour ce goût du terre-à-terre, comme ça, hein, avoir les pieds bien solidement attachés au sol. Non, c'est pas du terre-à-terre. C'est... D'abord, beaucoup de pudeur. Même les moments d'émotion qui se présentent dans ces romans, se garde de les exploiter en tant que moments d'émotion. Ils glissent. Il est sur sa réserve. Il y a dans toute l'œuvre de Marcel Aimé une discrétion qui en fait l'un des charmes. C'est de l'élégance. Non, je ne crois pas du tout qu'il était conscient de l'élégance. Je dirais presque que c'est de la politesse.
Ce ne fut qu'en pénétrant dans le mur de clôture qu'il éprouva nettement la sensation d'une résistance. Il lui semblait se mouvoir dans une matière encore fluide, mais qui devenait pâteuse et prenait, à chacun de ses efforts, plus de consistance. Ayant réussi à se loger tout entier dans l'épaisseur du mur, il s'aperçut qu'il n'avançait plus. Et se souvint, avec terreur, des deux cachets qu'il avait pris dans la journée. Ces cachets, qu'il avait cru d'aspirine, contenaient en réalité de la poudre de pyrète tétravalente, prescrite par le docteur l'année précédente. L'effet de cette médication, s'ajoutant à celui d'un surmenage intensif, se manifestait d'une façon soudaine. Du tilleul était comme figé à l'intérieur de la muraille. Il y est encore à présent, incorporé à la pierre. Les noctambules qui descendent la rue Norvin, à l'heure où la rumeur de Paris s'est apaisée, entendent une voix assourdie qui semble venir d'outre-tombe et qu'ils prennent pour la plainte du vent sifflant au carrefour de la butte. C'est Garou-Garou du Tilleul qui lamente la fin de sa glorieuse carrière et le regret des amours trop brèves. Certaines nuits d'hiver, il arrive que le peintre Gene Paul, décrochant sa guitare, s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvin pour consoler d'une chanson le pauvre prisonnier. Et les notes, envolées de ses doigts engourdis, pénètrent au cœur de la pierre comme des gouttes de clair de lune. Je relis presque tous les deux ou trois ans les Contes du Chat Perché, c'est un délice. Alors j'ai fait mon choix, j'ai mes contes préférés, les autres je les saute. J'aime beaucoup le loup, j'aime beaucoup les deux bœufs dont l'un devient un bœuf savant. Et c'est, il y a une grâce, il y a aucune méchanceté. C'est, il y a même aucune amertume. Et il n'y a presque aucune critique. Bon, c'est plutôt les parents qui sont un peu ridicules. Et d'ailleurs, d'un bout à l'autre, jamais le père ne parle seul, ni la mère seul. C'est toujours les parents qui disent quelque chose. Et ça, c'est une vision de l'enfant du cœur familial qui vient l'emmerder, qui est merveilleuse. Car il y a aussi dans Marcel Aimé, il a su exploiter sa propre naïveté. Un arc-en-ciel ! Ah, qu'il est beau ! Le cochon tourna la tête et à son tour poussa un cri. Derrière lui, il apercevait sa traîne déployée en un immense éventail. « Regardez, dit-il, je fais la roue !» Delphine et Marinette échangèrent un regard attristé, tandis que les bêtes de la basse-cour parlaient entre elles à voix basse en hochant la tête. « Allons, assez de comédie !» firent les parents. « Rentre dans ta soue, il est l'heure !»« Rentrez ?» dit le cochon. « Mais voyez bien que je ne peux pas !» Ma roue est trop large pour que je puisse pénétrer seulement dans la cour. Elle ne passera jamais entre ces deux arbres. » Les parents eurent un mouvement d'impatience. Ils parlaient déjà de prendre une trique, mais les petites s'approchèrent du cochon et lui dirent avec amitié « Tu n'as qu'à fermer tes plumes. Ta traîne passera facilement. » « Tiens, c'est vrai, » fit le cochon. « Je n'y aurais pas pensé. Vous comprenez, le manque d'habitude. » Il fit un grand effort qui lui creusa l'échine. Derrière lui, l'arc-en-ciel fondit tout d'un coup et se déposa sur sa peau en couleur si tendre et si vive aussi que les plumes du paon eussent été comme une grisaille. Une vie, une œuvre, Marcel Aimé, par Pascal Charpentier. Avec Jacques Laurent, Alphonse Boudard, Michel Lecureur et Jean-Marie Turpin. Les voix de Marcel Aimé, Jeanne Paul et Arletty. Texte lu par Marie-France Ganzer, Jacques Duby, Michel Mercier.
Groupe de réalisation, Jean-Pierre Juncker, Véronique Gichtener et Josette Collin. Thank you.